La planche de bord est en trois parties. Avant toute intervention, débranchez la batterie, puis commencez par la garniture inférieure gauche. Déclipez l'agrafe de l'insonorisant. Retirez les trois vis de fixation de l'aérateur de pied d'auvent, l'aérateur lui-même, afin d'accéder à la vis inférieure de la garniture. Retirez le cache latéral ainsi que la vis. Sortir les interrupteurs. Déposer les caches. Puis les deux vis de façade ainsi que les deux vis latérales droites. Tirez la garniture et dégrafez les connecteurs. Déposez dans un premier temps l'insonorisant. Retirez l'aérateur de pied d'auvent pour accéder à la vis inférieure de la garniture. Retirez le cache latéral ainsi que la vis latérale droite. Déposez l'éclaireur de boîte à gants, les trois vis supérieures et la vis de fixation du support de boîtier de condamnation. Déposez la vis latérale gauche. Dégrafez la coiffe du levier de vitesse sans la déposer. Retirez les deux vis du cendrier, le cendrier, les boutons du climatiseur. Retirez les deux vis de fixation de la façade. Déposez la façade en déconnectant les interrupteurs. Dégrafez les connecteurs de l'allume-cigare. Déposez les quatre vis de fixation de la commande de climatiseur, puis les quatre vis de fixation de la garniture. Sortir la garniture. Après avoir déposé le volant, déposez la garniture de colonne. Déposez l'aérateur central. Les deux vis de l'enjoliveur du combiné, la vis inférieure. Cette dernière est située au fond d'un cône de guidage afin de faciliter le remontage. Déposez l'enjoliveur. Retirez les trois vis du combiné et basculez ce dernier vers l'avant. Dégrafez les connecteurs immobilisés par des ergots, ainsi que le faisceau électrique, puis retirez le combiné. Thank you.
Retirez tout d'abord les deux vis du guide de câble de compteur et poussez le guide hors de son logement. Déclipez les grilles de tweeter. Les connexions électriques. Ainsi que les trois aérateurs. Déconnectez le contacteur d'éclairage de la boîte à gants. Déposez l'autoradio en utilisant l'outil spécifique. Retirez les six vis de fixation de la planche. Levez la planche pour dégager les conduits d'aération du tube renfort. Dégagez ensuite la planche en la tirant. Déconnectez le faisceau de l'éclaireur de la boîte à gants supérieure. Sortir la planche. Les pions de centrage de la baie de désembuage risquent d'être cassés lors du démontage. Ces pions ne servent qu'au centrage en usine. Le maintien de la planche est assuré par trois autres pions. Attention de récupérer les morceaux cassés afin d'éviter les bruits parasites. Pour enlever le groupe chauffage, il est nécessaire d'enlever le support levier de vitesse et la traverse tubulaire sur laquelle il est fixé. Après avoir rebranché la batterie, procédez à la réinitialisation du calculateur injection allumage. Le levier de vitesse est monté sur une glissière à billes. Celle-ci est maintenue par un rivet fusible. Ce rivet fusible permet l'effacement du levier de vitesse lors d'un choc violent. De ce fait, lorsque l'on repose un pommeau de vitesse, il faut immobiliser le levier afin de ne pas casser le rivet. Déposez dans un premier temps la trappe d'accès au motoréducteur. Ouvrir partiellement le toit ouvrant. Si le motoréducteur est en panne, on peut manœuvrer la vitre avec une clé Allen de 4. Déposez l'interrupteur pour déconnecter le faisceau. Retirez les trois vis de fixation du motoréducteur. Attention, l'une de ces vis est difficilement accessible. Cédez en tirant sur la garniture. Si l'on ne dépose que la vitre, ne pas déconnecter le motoréducteur, car l'accessibilité des connecteurs sur le boîtier électronique est difficile.
Déposer les finitions de cache arrière. Déposer également l'embase d'antenne téléphone. Déclipper le câble avant de l'effacer dans la garniture de pavillon. Déposer les deux butées de panneaux mobiles. Lever le panneau mobile, puis pousser pour dégager le renfort. Tirez ensuite la vitre et faites passer les chariots mobiles au-dessus des plots de fixation de finition arrière. Après avoir retiré la vitre, repérez la position des galets d'entraînement. Pour garantir un bon fonctionnement après remontage, il est impératif de remplacer les chariots par des neufs. Compte tenu de la nature des matériaux, le graissage n'est pas obligatoire. Reposez le panneau mobile en l'assemblant correctement dans les chariots d'entraînement. Attention à ne pas casser le chariot arrière en l'introduisant dans la glissière. Poussez le panneau en butée avant. Les galets sont alors en butée sur l'avant des chariots. Afin de placer ces chariots en position zéro, engagez l'outil de positionnement dans la glissière. Poussez ensuite jusqu'à la butée. Les chariots sont alors en position zéro. Procédez de la même manière pour l'autre côté. Dans un deuxième temps, il faut également mettre le motoréducteur en position zéro. Cette position zéro correspond à une position précise des micro-contacts. En utilisant une clé Allen de 4, amenez le trou du pignon récepteur en face de l'encoche du pignon d'entraînement. Reposez ensuite le motoréducteur et le bouton de commande. Reculez le toit ouvrant pour reposer les butées. Reposez également les caches arrière et l'embase d'antenne. Contrôlez ensuite le bon fonctionnement du panneau mobile. Un système de détection d'obstacles à infrarouge est implanté à l'avant du toit ouvrant. En cas de panne de la fonction détecteur d'obstacles ou si un objet encombre en permanence le faisceau infrarouge, une procédure de fermeture forcée est possible. Dans un premier temps, essayez de fermer le toit ouvrant pour enclencher la procédure de détection. Le toit s'ouvre alors de 200 mm. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur l'interrupteur pour obtenir une ouverture complète. Dans les 2 secondes, appuyez pour fermer. Le toit effectue une course de 100 mm.
Dans les 2 secondes suivantes, appuyez une nouvelle fois pour fermer de 100 mm et ainsi de suite jusqu'à la valeur de fermeture désirée. Les temps de manipulation doivent être impérativement respectés sous peine de recommencer la procédure depuis le début.